amis du réseau international Puissance de la Parole. C'est votre serviteur le prophète Oulaï Séverin dans cette émission de la Parole révélée. Je suis en collaboration avec 1515 et nous sommes ici ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Que la grâce et la gloire de Dieu reposent sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors le thème que nous avons à partager ce matin, c'est « Ayez foi en vous ». Ayez foi en vous-même. À ce titre, avant de commencer, je vais simplement prier le Seigneur. Divin Père, je te rends toute la gloire. Je te bénis pour ces instants. Je te bénis pour toutes ces personnes qui sont en contact avec nous maintenant. Avant que nous commencions à dispenser ta parole, je te prie que tu nous donnes par ton esprit de pouvoir dire les expressions qu'il faut, mais que cela puisse avoir de l'effet, de l'impact sur la vie de tes enfants, de tes serviteurs, afin que tous, comme une seule personne, comme un seul peuple, nous soyons disposés afin que ton règne vienne sur cette terre. Car c'est pour cela que tu nous as envoyé ici. Que la gloire te revienne, que ton nom seul soit glorifié, que cette parole soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayez foi en vous. Dieu veut nous utiliser pour que sa gloire soit démontrée sur cette terre, sur cette plateforme terre. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la Bible dit dans Psaume 115, verset 16, « Les cieux des cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Ça veut dire, sur la terre ici, sur cette plateforme, si quelque chose de Dieu doit arriver ici, cela doit passer forcément par des êtres humains. Et la preuve, c'est que quand Dieu devait venir sur cette terre ici, il a pris la forme humaine. Il s'est fait chair, et il est devenu semblable aux êtres humains, venant sur cette terre ici, pour que ce qu'il a annoncé d'avance puisse s'accomplir ici. Donc Dieu a besoin des êtres humains. Dieu a besoin des personnes. Dieu a besoin de vous, Dieu a besoin de nous, Dieu a besoin de toi qui m'écoute maintenant. Et pour que Dieu puisse nous utiliser comme il faut, nous avons besoin de savoir certaines choses. Et parmi tant de clés que Dieu nous offre, je voudrais parler d'une clé aujourd'hui. Ayez foi en vous. Nous tous, nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons qu'un Dieu, qu'il existe un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu véritable. Nous croyons qu'il existe un Dieu fort. Nous croyons qu'il existe un Dieu glorieux, un Dieu à qui rien n'est impossible, un Dieu à qui tout est possible, un Dieu capable d'accomplir toutes choses. Mais voilà, ce Dieu-là, qui est capable d'accomplir toutes choses, ce Dieu puissant-là, doit utiliser des êtres humains comme vous et moi. Et nous avons besoin de savoir certaines choses. C'est pourquoi je vous invite à prendre votre Bible. Dans le livre de Marc, chapitre 11, du verset 19 au verset 23, vous prenez votre Bible avec nous, pour vous qui nous suivez. Prenez votre Bible. Marc, chapitre 11, verset 19. Au verset 23, je lis la parole du Seigneur. Marc chapitre 11, le verset 19 au verset 23. Et quand le soir était venu, il sortait de la ville. Et le matin, il passait, il vit le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre se souvient, lui dit, Rabbi, vois le figuier que tu as maudit à sécher. Verset 22. Jésus répondant leur dit, ayez foi en Dieu. Le verset 23 particulièrement qui nous intéresse dit ceci. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et te jette dans la mer, qui n'aura point douté dans son cœur, mais crois que ce qui dit arrivera, cela se fera pour lui. Voici la parole que le maître par excellence, le modèle divin que Dieu a envoyé sur la terre a prononcé à l'égard des êtres humains. Il a maudit le figuier. Il passait, il voulait manger du fruit du figuier. Et quand il est arrivé, il n'a pas trouvé le figuier dessus et il a maudit le figuier. Et lui, il a fini de parler et ils sont partis. Ses disciples étaient avec lui. Le lendemain, quand il revenait,
comme toujours Pierre, le fourreau, a remarqué, il a pris le soin de regarder et le figuier avait séché jusqu'à sa racine. Et Pierre dit, maître, le figuier que tu as maudit, là, voilà, ça a séché complètement. Alors, en fait, le mystère, c'est quoi? Que chaque fois que Jésus-Christ veut enseigner quelque chose à ses disciples, il produit un miracle. Il produit, il fait quelque chose qui épate, qui touche l'entendement des hommes. Et à partir de l'acte, à partir du miracle qu'il vient de poser, il sait que certainement ses disciples vont lui poser des questions. Et pendant qu'on lui pose maintenant la question, il profite de cela pour leur donner une révélation. Donc quand il a produit le miracle, et que le figuier a séché, que Pierre a posé la question, il a profité de l'opportunité pour lui donner une révélation. Et il dit ceci à Pierre, en plus de Pierre avec tous les autres qui étaient là. Il dit, en vérité, je lui dis une chose. Quiconque croit, et quiconque qui ne doute pas de lui-même, quiconque qui ne doute pas de sa parole, mais croit que ce qui sort de sa propre bouche est la vérité, et il regarde une montagne et il dit à la montagne, déplace-toi. Jésus dit, si la personne qui parle ne doute pas de ce qu'il dit, de sa propre parole, il verra la chose s'accomplir. Écoutez, écoutez attentivement ce que Jésus dit. Le mot qu'il a utilisé, il dit quiconque. Il ne dit pas un chrétien. Il dit quiconque, n'importe qui. Pourvu que tu saches que tu es n'importe qui. Pourvu que tu comprennes cette parole. Regardez ce qui s'est passé. Vous savez, je vais vous expliquer un peu. Depuis la Genèse jusqu'à ce qu'on arrive au Nouveau Testament. Toutes les personnes que Dieu a appelées. Nous avons connu l'histoire d'Abraham. Comment ça a été difficile qu'il puisse accepter de servir le Seigneur. Comment il a traîné un peu. Quand Dieu lui a dit, prends Sarah ta femme. Va à Canaan. Il a chassé toute sa famille jusqu'à ce qu'il arrive à Canaan et soit arrêté là. C'est après la mort du père d'Abraham que Abraham a accepté de pouvoir partir à Canaan. Nous avons vu la suite, que ce soit les Jacob, jusqu'à ce qu'on arrive au prophète Jérémie. Dieu dit Jérémie. Il a appelé Jérémie. Et l'histoire nous dit que Jérémie avait 12 ans. C'était un enfant 7. Et Dieu l'a appelé. Et Jérémie a dit à Dieu, non, je suis un enfant. La même chose s'est répétée avec Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a dit à Dieu, non, qui suis-je pour aller parler à Pharaon? En tant que toutes ces personnes, à vue d'œil, la première fois que j'ai entendu parler, que j'ai lu ces passages, je me suis dit que ces gens étaient humbles. Mais en réalité, ce n'était pas l'humilité qui est en train de se manifester. L'humilité est différente de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est Dieu qui les a appelés et Dieu leur a dit, je vous envoie faire quelque chose. Mais le problème, c'est que ces gens avaient une mauvaise, une piètre opinion de leur propre personne. Et ils voyaient trop grand ce que Dieu leur demandait de faire par rapport à eux-mêmes. Et donc, ils disaient à Dieu, ils présentaient tous leurs défauts, tout ce qu'ils avaient comme défaut, tout ce qu'ils avaient comme défaut. En réalité, ce n'était pas l'humilité. Mais ils regardaient mal leur propre vue. Ils ne voyaient simplement que ce qui était comme défaut. Voyez-vous, la confiance c'est quoi? De dont nous voulons parler aujourd'hui. La confiance c'est juste une assurance, une hardiesse, un courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance qu'on a. Je dis de sa capacité, de ses dons, donc de ses talents qu'on a. Donc la foi en quelque sorte, c'est cette confiance, cette assurance, cette adresse qu'on a. Conscient, bien sûr, de sa capacité, de ses dons, de ses talents. Mais pendant que Dieu parlait à Jérémie, Dieu avait vu un don, un talent en Jérémie, que Jérémie, lui, n'avait jamais vu. Mais plutôt, il voyait ses défauts. Pendant que Dieu parlait à Moïse, Dieu avait vu déjà quelque chose à Moïse que Moïse n'avait jamais remarqué. Sinon ses défauts. Et quand Dieu disait Moïse, Moïse ne venait que présenter ses défauts. Ce fut la même chose pour Gédéon. Quand Dieu a dit à Gédéon, Gédéon a dit, je suis le plus petit de cette petite famille et la plus pauvre
dans cet Israël tourmenté par les Philistins. Il ne présentait que tout ce qui était comme défaut. En réalité, ce n'était pas l'humilité. Mais il ne voyait que leur incapacité, leur défaut. Vous savez, tant qu'on est dans ce corps, a dit l'apôtre Paul, on aura toujours besoin du sang de Jésus-Christ. On a été sanctifié par la personne de Jésus-Christ, par son œuvre à la croix de Golgotha. Nous voulons nous consacrer et nous continuons toujours de nous consacrer à l'Éternel. Mais quel que soit le degré de notre consécration à notre Dieu, dans ce corps, dans ce tabernacle terrestre, nous aurons toujours besoin du sang de Jésus-Christ pour nous nettoyer. Cela veut dire que quelque part, quel que soit le niveau de sanctification que nous aurons sur cette terre ici, il y aura un défaut toujours quelque part. Il y aura toujours un péché quelque part. Nous ne serons pas peut-être en train de voir le défaut. Mais l'Éternel, avec ses yeux spirituels, constatera toujours un défaut quelque part. C'est pour ça que nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Je suis conscient que nous avons les défauts. Dans la Bible, dans Luc 18, un jour, s'est approché de Jésus-Christ, il lui a dit, « Maître, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux ?» Et Jésus lui dit, « Bon maître, tu as dit bon maître, qui est bon ? Il n'y a que Dieu seul qui soit bon. » C'est le modèle parfait qui parle. Mais il dit que sur cette terre ici, quand on parle de bonté à cette hauteur, à cette dimension, c'est quelqu'un en qui il n'y a pas de défaut. Il n'y a que Dieu seul qui soit infaillible sur la terre. Nous sommes tous faillibles. Nous avons tous des défauts de caractère. C'est Dieu qui transforme l'homme. Mais vous remarquerez que lorsque Dieu s'est approché de Jérémie, Jérémie dit, je suis un enfant. Dieu n'a pas transformé Jérémie pour qu'il devienne grand. Il a pris Jérémie. Il dit, je sais que tu n'as pas d'expérience. Mais l'expérience s'obtient quand on est en train de travailler. On n'a pas besoin d'une grande expérience pour servir le Seigneur. Mais quand tu commences à le servir, l'expérience vient. Moïse a présenté ses défauts. Dieu n'a transformé aucun des défauts de Moïse. Il est parti comme ça. Mais c'est quand il s'est mis, avant que Moïse n'accepte de partir, c'est quand il a pris conscience des dons. Dans Exode chapitre 4, le verset 21, Dieu lui a dit, vois, vois les prodiges que j'ai mis à ta disposition entre tes mains. Tu les verras devant Pharaon. Donc vous voyez, il a fallu qu'il voie d'abord. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'ai déjà consacré prophète. Donc nous sommes nés deux fois. Il y a la naissance naturelle de nos mamans. Et Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses de manière naturelle, tu es né déjà consacré. Donc nous sommes nés consacrés dans le ventre de nos mères. Ça c'est la première naissance. Mais la deuxième naissance encore, qui est la naissance spirituelle, le fait d'accepter Jésus-Christ, nous conduit dans une deuxième dimension de la grâce et de la faveur de Dieu. La Bible dit la deuxième touche. C'est pourquoi la femme est plus sophistiquée que l'homme garçon, parce qu'elle est la deuxième touche. Donc la deuxième naissance, c'est le summum de la gloire de Dieu. Mais même si vous m'entendez que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, quand bien cela, il y a quelque chose en vous. Et quand Dieu vous regarde, Dieu sait ce que vous êtes. Dieu connaît tous les détails de votre vie. L'apôtre Paul dit dans Romains 5, 8, il nous a aimés. Il nous a aimés pendant que nous étions encore des pécheurs. Quand nous étions encore des pécheurs, il n'y avait rien en nous pour attirer son regard sur nous. Mais il nous a aimés. Quels sont les principes ou je dis les données que Dieu utilise pour pouvoir aimer un être humain? Écoutez-moi très bien. Le révérend Renard Bonte prêchait un jour, il a dit quelque chose dans la prédication. Il dit, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus a prié pendant 12 heures pour choisir 12 disciples. 12 heures de temps pour choisir 12 disciples. Ça veut dire une heure de temps par disciple. Et lorsqu'il a fini de prier une heure de temps par disciple, écoutez-moi très bien, il a choisi les gens comme Pierre, Judas Iscariote. On aurait dit qu'il a tellement bien prié pour choisir les personnes les plus mauvaises. Voyez, Pierre, 3 ans et demi, il a passé avec Jésus-Christ. Il avait encore son épée de zélote sur lui. Il n'a jamais été touché. Jusqu'à ce que Jésus devait mourir, Jésus a dit, Pierre, le jour où tu te convertiras, va chercher les autres. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous comprenez ce que la parole de Dieu vous dit?
voyez, donc nous avons tous des défauts, mais c'est Dieu qui transforme les défauts. Nous avons tous des défauts de caractère. Nous avons des péchés en nous. La Bible dit dans 1 Jean 1, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, celui-ci est un menteur. La vérité n'est point en lui. Vous me regardez, vous êtes saint, c'est vrai. De position, vous êtes saint. Par le sacrifice de Jésus-Christ, vous êtes saint. Mais dans la réalité, dans la pratique, dans l'état, il y a encore des péchés en vous. Même si vous ne péchez pas. Donc, dès l'instant qu'il y a encore péché en vous, c'est qu'il y a des défauts de caractère quelque part. Mais quand bien ça, il y a un don de Dieu en toi. Il y a une grâce en toi. Et Jésus-Christ dit cette chose-là. Écoutez, pourquoi je dis cela? Parce que Dieu ne peut pas descendre sur cette terre ici sans l'homme. Il est grand, il est puissant, il est capable de toutes choses. Il voudrait venir sur terre, mais il ne peut pas le faire sans l'homme. Il ne passera pas par nous. Car Jésus dit, quand vous prédit, Père, que ton règne vienne, pour que le règne de Dieu vienne sur la terre ici, c'est vous et moi qu'il va utiliser. Voyez-vous le problème qu'il a eu avec Moïse, le problème qu'il a eu avec Jérémie, les problèmes qu'il a eu avec Gédéon, les problèmes qu'il a eu même avec David, les problèmes, toutes ces personnes que Dieu a appelées. Moïse a pris 40 ans pour accepter de pouvoir se mettre au service de Dieu. 40 ans pour accepter qu'il a un don. 40 ans pour accepter qu'il a quelque chose de bon en lui. 40 années de sa vie à passer dans le désert pour comprendre qu'il a une grâce en lui. 40 années de sa vie. 40 ans. Ça a pris 40 ans. Et le peuple qui devait délivrer, le peuple a accusé un retard de 30 ans. Parce que Dieu avait mis 400 ans. Mais celui que Dieu devait utiliser pour apporter la délivrance a mis 30 ans de plus. C'est-à-dire que la formation de Moïse devait se faire tout au plus en 10 ans. Mais il a pris 30 ans de plus pour pouvoir comprendre, ou du moins accepter la vérité que Dieu était en train de lui dire. Moïse, tu as des défauts, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que j'ai mis en toi. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il ne dit pas que je vous donne le pouvoir. Mais à qui il parle? Il parle à des gens qui ne sont pas encore convertis. Il parle à des gens qui ne sont pas encore sanctifiés. Parce que Jésus n'étant pas encore allé sur la croix, son sang n'étant pas encore versé. Des gens, c'est vrai qu'ils sont disciples, mais ils ne sont pas encore sanctifiés. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais à quel moment il nous a donné le pouvoir? Il nous a donné le pouvoir lorsqu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance, selon Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 28. Il vous a créé à son image. Il vous a créé à sa ressemblance. Et l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, ne se détruit pas, ne se ruine pas, ne se modifie pas. C'est l'orientation simplement qui change. L'image de Dieu reste toujours l'image de Dieu. Et parce que vous êtes l'image de Dieu, parce que vous êtes à la ressemblance et à la gloire de Dieu, il y a quelque chose de Dieu en vous. Et Dieu, en venant sur cette terre-ci, Dieu sait ce qu'il a fait comme projet pour vous, selon Jérémie 29, 11. Dieu l'a préparé. Il sait que nous devons naître d'une femme sur cette terre-ci. Il avait prophétisé dans Genèse chapitre 3, 15, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il avait déjà annoncé. Donc Dieu savait que vous devez passer par cette famille dans laquelle vous êtes né. On vous a prêté à cette famille pour que à partir de vous, la gloire de Dieu puisse entrer dans cette famille. C'est vrai, vous êtes né. La vie vous a donné un certain caractère et donc des défauts. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus cette image de Dieu en vous. Et Jésus dit ceci à ses disciples. Marc chapitre 11, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit, écoutez, quand Jésus-Christ parle, il est le modèle parfait, il est le modèle divin. Celui qui ne ment pas, la Bible dit, il appelle la vérité incarnée. C'est celui-là qui est la vérité incarnée. Il ne ment jamais. Jésus dit, n'allez pas douter ou n'allez pas réfléchir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas besoin de réflexion. Vous allez peut-être trouver bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais c'est écrit noir sur blanc.
Prenez le soin de vérifier ce que nous sommes en train de dire. C'est Jésus qui a dit l'expression. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ça veut dire l'initiative ne vient pas de Dieu lui-même directement. Pas que Dieu lui donne une révélation ou que Dieu donne une révélation à la personne. Écoutez, Jésus ne peut pas dire quelqu'un et puis il va dire Dieu va donner une révélation. Si Jésus avait dit un chrétien, il va dire si le Saint-Esprit te donne une inspiration. Mais il dit quelqu'un. Et ce quelqu'un-là peut être un chrétien comme un païen, pourvu qu'il soit un être humain. C'est comme dire, si tu es un être humain, si tu sais que tu es quelqu'un, pourvu que tu prennes conscience que toi, tu es quelqu'un. Il dit, si ce quelqu'un-là se lève et qu'il dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si ce quelqu'un ne doute pas de ce que lui-même il dit, il verra s'accomplir la chose. Quelle révélation, quelle considération à l'égard des êtres humains, de la part de Dieu. Quelle profondeur, quelle parole simple, mais aussi profonde. Est-ce que tu sais que tu es quelqu'un? Je vous ai dit, avoir foi en soi, c'est une assurance, c'est une hardiesse, mais qui vient comment? La prise de conscience de ses capacités, de ses dons, de cet âme. C'est cela qui nous donne d'avoir foi à nous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle dispensation, le problème que les chrétiens ont, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Tout si personne, si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne serez pas allé à l'église. Si vous ne croyez pas en ce Dieu, vous n'allez pas aller à l'église tous les dimanches. Chaque jour, vous partez à l'église. C'est parce que vous croyez en Dieu. Vous savez que Dieu est puissant. Vous savez que Dieu est fort. Mais le problème, c'est que ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui est fort, il va utiliser des hommes faibles comme vous, avec des défauts de caractère. C'est ça le vrai problème. Et l'être humain a du mal à accepter qu'un Dieu saint, un Dieu si pur, un Dieu si propre, soit en train de porter son regard sur lui, puisse l'utiliser, ce Dieu-là. Et Jésus dit, tu n'as pas besoin d'une révélation particulière. Ce verset biblique-là, les mystiques, les sorciers prennent ça pour tuer les chrétiens. Il dit, si quelqu'un croit ce que lui-même dit, et puis il dit, toi, déplace-toi à cette montagne, déplace-toi. Il ne doute pas. Il ne doute pas de lui-même, mais il croit que ce qu'il dit est vrai. Il verra la chose s'accomplir. Ça veut dire que cette personne qui parle, a confiance en lui-même. Il a un minimum d'assurance en lui. Un minimum de confiance à sa propre parole, à sa propre personne. Mais vous savez ce que Satan fait? Satan a dégradé l'image de l'être humain à ses propres yeux. Aujourd'hui, Dieu voudrait. Les gens sur la terre ici ont des problèmes. Les gens sont confrontés à des montagnes, des situations qui les dépassent. Le diable, sachant qu'il reste peu de temps à vivre, il travaille à une vitesse incroyable. Il déploie une telle énergie, mais aussi vrai que le diable déploie une telle énergie. Dieu cherche des personnes avec qui aussi il veut déployer, parce que la puissance de Dieu, elle a été toujours supérieure. Il n'y a pas de comparaison. Mais le problème, c'est les personnes qui peuvent avoir un minimum de confiance en eux que Dieu recherche. Dieu veut venir sur la terre ici, au travers de notre vie, comme il est venu avec le temps de Jérémie, de Moïse, déplacer une montagne. À l'époque, c'était Pharaon qui entraînait ou qui maintenait le peuple de Dieu dans l'esclavage. Il se peut que ta famille soit dans l'esclavage d'un démon, d'une malédiction. C'est une montagne qui pèse sur cette famille. Au-delà même de ta famille, il y a des personnes qui souffrent, des gens qui sont malades, des maladies qui ne finissent pas, des maladies que les gens se sont soignés, ils n'ont jamais trouvé la solution. Tu peux déplacer cette montagne, Jésus l'a dit. Tu peux la déplacer, tu peux transformer, Dieu peut t'utiliser pour transformer de façon extraordinaire la vie des hommes. Dieu veut le faire avec nous, Dieu veut le faire par nous. C'est pourquoi nous vous donnons cet enseignement, cette exhortation. Prenez conscience de vos capacités, de vos dons, de vos talents, des dons de l'esprit en feu, des grâces
que Dieu vous a accordé. Et mettons-nous au service de Dieu. Nos défauts finiront par pâlir. Nos défauts changeront. Nos défauts seront transformés pendant que nous serons en train d'œuvrer pour le Seigneur. Dieu ne fait des choses extraordinaires avec nous. La gloire de Dieu doit se démontrer de façon palpable dans la vie des uns et des autres. Mais cela par notre canal. Disposons-nous entre les mains de l'Éternel. Oublions un peu nos défauts. Posons nos regards sur les grâces et les faveurs de Dieu. Regardons à la parole de Dieu et répondons à l'appel de l'Éternel. Car les jours sont de plus en plus mauvais. Et Dieu a besoin des gens pour pouvoir aller récolter. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est vous et moi que Dieu doit utiliser. Que Dieu veut utiliser. Que Dieu veut, que Dieu qui doit servir le Seigneur. Disposez-vous. Alors, vous pouvez continuer toujours à nous suivre sur Média 1615 TV Web. Nous sommes en collaboration avec cette entreprise de communication qui sont d'ailleurs très performantes. Vous allez sur la page Média 1615 TV Web. Vous likez, vous abonnez et comme ça vous pouvez suivre. Tous nos messages passeront dessus également. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Réseau International Puissance de la Parole. Également sur notre site web, sur notre page YouTube. Vous allez sur nos pages, vous likez, vous vous abonnez et comme ça vous pouvez nous suivre. Il y a beaucoup d'enseignements qui viennent. Nous serons en train de continuellement vous abréver, vous donner de la bonne parole afin que Dieu puisse nous utiliser, que vous pouvez atteindre le but que Dieu s'est fixé avec vous sur la terre des hommes. Et c'est dans ce concept-là qu'en collaboration avec Média 1615, nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu aujourd'hui. Et si vous me voyez, si vous m'entendez, c'est l'œuvre de Média 1615. Que Dieu vous bénisse et faites comme je le dis. Allez-y sur la page de Média 1615, abonnez-vous, likez. Allez-y sur la page Réseau International Puissance de la Parole. Allez-y sur ma page YouTube et continuez à suivre les enseignements. La gloire de Dieu se manifeste pour vous. Alors je lance un appel à vous qui me suivez maintenant. Vous qui avez entendu ce message. Vous qui vous dites certainement vous n'êtes pas bien pour que Dieu vous utilise. Vous qui doutez de vos capacités. Vous qui ne croyez pas en vous. Vous croyez certainement en Dieu, mais vous ne croyez pas en vous. C'est à vous que je lance ce message. Je veux prier pour vous maintenant. Et je veux prier avec vous. Et je prie. Éternel, merci pour ce temps. Merci pour cette parole. Merci pour ce que tu as accompli, pour la part que tu as prêchée. Tu le donnes à quelqu'un de comprendre. Les écailles tombent. Le voile est déchiré. Il entend, il comprend. Et c'est toi de cette parole. Bonifier sa foi pour lui permettre de se lever et de se mettre à ta disposition. Et qu'ainsi, ta gloire commence à se manifester dans la vie de celui qui m'entend. Père, bénis sa vie. S'il est malade, guéris-le. Que tout ce qui était comme chaîne dans sa vie qui traînait tombe au nom de Jésus-Christ. Au travers lui, Père, que des prodiges et des miracles se produisent au nom de Jésus-Christ. Et que nous soyons, et qu'il soit un instrument efficace là où il se trouve et il les reçoit maintenant. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à la prochaine fois.